Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jouer la chanson The Passenger de Iggy Pop au piano. La grille d'accords de la chanson est plutôt simple. La mineur, Fa, Do, Sol, La mineur, Fa, Do, Mi, et on enchaîne cette boucle jusqu'à la fin de la chanson. On est sur une tonalité de La mineur. Maintenant, je vais vous montrer les accords en position fondamentale au clavier. Afin de jouer de manière plus efficace, je vous propose de plutôt jouer avec les positions renversées suivantes. Vous verrez que le mouvement sera plus efficace. Ensuite, pour le rythme à la main gauche, ça va être très simple, on va jouer avec un balancement à l'octave. Une fois qu'on maîtrise ce balancement, l'exercice va être d'assembler avec les accords à plat. Ça commence à ressembler à la chanson. Il manque une chose importante, c'est le rythme à la main droite qui va permettre de reproduire le riff emblématique de The Passenger. En suivant la grille d'accords et ce rythme tout le long de la chanson, on va pouvoir faire une formule d'accompagnement qui sera suffisante pour s'accompagner soi-même ou une autre personne au chant. Démonstration. La mélodie se compose de 5 patterns qui se répètent, l'instrumental qu'on vient de voir, et 4 autres patterns assez simples qu'il va falloir assembler pour reconstituer toute la chanson. Premier pattern, sur les paroles I am a passenger, notez qu'on continue le riff sur Do et Sol. Deuxième pattern, ici le riff se termine en Mi. Le troisième pattern va se répéter plusieurs fois, il faudra bien faire attention à alterner le sol et le mi entre chaque phrase. Et enfin le refrain où on va pouvoir se permettre de jouer plus fort sur le clavier. Pour enrichir votre interprétation, n'hésitez pas à utiliser d'autres renversements entre chaque couplet. Vous pouvez aussi décaler l'instrumental d'une octave plus aiguë que la mélodie. Vous savez maintenant jouer The Passenger au piano.